Je pense que vous avez vu le match, vous avez vu les images, je les ai revues moi aussi. Est-ce que de repartir d'ici avec zéro point, c'est mérité? J'ai pas eu les mots, hein. J'étais dans le vestiaire avec les joueurs. Il y a des fois, je sais quoi leur dire. Je leur dis, ouais, c'est bien, il y avait du contenu, c'était intéressant. Je les ai pas trouvés là. J'ai juste revu les images et effectivement, ça fait mal. Nice mérite de marquer. Parce qu'ils ont poussé et ils méritent de marquer, mais nous, on mérite largement avant. Par rapport aux situations qu'on s'est créées, par rapport à ce qu'ont mis mes joueurs dans le match, par rapport à l'abnégation et qu'ils ont montré défensivement, ils méritent largement mieux que ces zéro points. Parce qu'à l'arrivée, on est là et c'est zéro point. Et effectivement, j'ai pas su quoi leur dire à l'instant dans les vestiaires. Il y a trois situations beaucoup plus que litigieuses. Il y en a une sur Motiba, une sur Ike Ugbo et une sur... Je sais pas, je viens de les revoir, les images. Donc je sais pas, après, bon. Vous ferez une idée, hein. Peut-être que c'est moi à chaud qui... Mais bon, j'essaye, je suis quand même quelqu'un qui prend du recul, je suis quelqu'un qui essaye d'analyser à froid, de ne pas venir aussi énervé devant vous que je peux l'être des fois juste après le match. Mais oui, mon équipe s'est procuré des situations. Et de repartir comme ça, ça fait mal. Parfois, ils ont beaucoup donné. Alors, c'est abattement et colère. Et colère, parce qu'après, il faut contenir aussi. On a quatre matchs. Nous, on veut être en Ligue 1 la saison prochaine. On donne beaucoup pour ça. On travaille beaucoup pour ça. Et un point, c'est pas anodin, un point pour nous. C'est pas, ouais, je sais, on va pas jouer l'Europe, on va pas jouer, on va pas faire la finale de la Coupe de France. Mais nous, on parle pas, on travaille et on a l'impression que ça suffit pas en ce moment. On va passer à autre chose, hein. Là, c'est à chaud, c'est difficile, ça fait mal, c'est zéro point là qu'on enchaîne. Mais oui, je pourrais leur dire le contenu, c'est bien, mais voilà, là ce soir, c'est difficile. Ce soir, c'est compliqué. Ils vont avoir deux jours. On va passer du temps en famille et on va se remettre à l'endroit pour aller à Lille. Et on se fait avoir sur une... Enfin, c'est pas une connerie, mais ils poussent. Je sais même pas s'il y a faute ou pas là-bas. Voilà, c'est entre Clermont mercredi et aujourd'hui, c'est dur. Après, voilà, on a vu qu'on pouvait faire quelque chose aussi. Mais putain, c'est dur. C'est dur parce qu'on sait que chaque point va compter. Chaque point compte, même si on dort à l'abri des places de relégation encore cette semaine. Mais voilà, c'est rageant, c'est horrible. Dans ces moments-là, on a l'impression que tout est contre nous, que ça ne passe pas. Voilà, moi j'ai envie de tout casser, franchement. Mais c'est comme ça, c'est le foot, ça aurait pu nous sourire. Maintenant, on va pleurer ensemble et puis on va se relever pour le week-end prochain parce qu'il faut aller prendre des points. Courage.